épisode 1 de Mystic Max. Alors j'ai devant moi une petite boîte peuplée de choses. Une petite maisonnette sympathique. Voilà. Hop. Alors, je suis actuellement dans ma voiture. C'est ma maison. L'épi de blé. On va mettre là. La petite lavande qui va bien. Hop. Ça, hein. Le petit ventilateur. Ça, ça fait plaisir. Parce que... il fait très chaud. Et très humide. Alors là... procuré récemment. Parce que quand même... on est au Japon. Ce serait bête de ne pas en profiter pour se procurer ce genre d'objet. Ce genre de couteau inscrit de un chouette kanji qu'on ne peut pas lire à cause de la mise au point. C'est un petit couteau qui mange pas de pain. Hop. Le petit couteau. Alors on a la petite feuille avec les explications pour faire du yoga. Serpent sympathique que je vais mettre. Ah oui, on voit pas là, mais au plafond il y a donc la lumière, bien sûr. Ah, il y a quand même des petites fleurs, c'est quand même sympathique. Voilà, divers objets, hein. Le grand classique, la lumière qui est branchée donc sur la batterie nomade, petite batterie nomade avec un petit soleil. Ça, j'en ai deux des comme ça. Ça vous sauve la vie. Hop, petit téléphone, il est minuit zéro. Alors bien sûr, on peut le voir, il est là. Le fameux. La gourde. Alors là, on a l'air comme ça qu'il y a des vêtements, mais en fait, c'est mon garde-manger. Petit chocolat, j'ai pris 1000 ans. Et puis là, mon garde-manger, c'est rempli de riz, de diverses choses. Là on voit pas, mais j'ai la guitare. Petite session de guitare peut-être des fois. Alors là j'ai un autre sac, donc j'ai une chose classique, c'est-à-dire un petit chose sympa quand on mange dehors. Voilà. C'est du bois, ça casse pas. Et j'en ai des plus petits ici. Alors oui, j'ai fait des poches dans les rideaux. Là on a un livre, on peut pas perdre le nord. Hein. Les préceptes de vie de Confucius, et donc là on a ça c'est 10 bois, c'est une bonne dose, pas trop gros, c'est bien pour les yogis, et ça même pour les backpackers de l'extrême, vous mettez ça dans votre sac et ça fait l'affaire. Hop, là j'ai des petites pierres, parce qu'on n'oublie pas quand même qu'on est un petit peu chaman, la trousse de couture. Ça c'était plus dans l'époque où j'étais vraiment le backpacker de l'extrême. J'avais juste un sac à dos que je recousais tout le temps. Enfin, c'était... Là maintenant, bon, c'est quand même utile. Et puis j'ai ça. Ça c'est rien. Le petit couteau suisse. Ça me brûle. Les clés de la voiture, que j'ai mis quelque part là-dedans. Puis oui, voilà, les petites ferrures, bien sûr. Hein. Le copain qui est là. C'est sympathique. C'est Max. Voilà. Comme ça, on est deux. J'ai de quoi faire des onigiri, petite machine à onigiri. Alors, je vais vous montrer ce que c'est que les onigiri. Et puis j'ai. Bon, c'est difficile à sortir, mais j'ai un réchaud, tout ça. La petite table qui va bien. Voilà, on va s'arranger. Hop. Attention, hashtag Japan Lover. Ce sont des triangles. Fourré de tuna mayonnaise, entouré de feuilles de salade d'algues. C'est super bon. Que je vais manger bientôt parce qu'il est minuit, mais j'ai faim. Voilà, alors je vais manger là sur mon petit espace. Alors elle va y aller, oui, mais sa valise, elle est où? Alors hop, je m'installe un petit espace qui est sympathique avec tous mes copains. Hop. Et là, en guise d'oreiller, il y a un sac traversin rempli de mes vêtements.
en bataille. Comme on peut le voir ici, la guitare, la boîte à miracles, ma petite table, sympathique quand même. Quand on habite dans une voiture, c'est quand même pas mal. Oula, pas jouer avec le feu non plus. Et le copain, il est là. Voilà, c'est mon lit. Eh bien, bon appétit, bonne nuit, et à la prochaine. Peut-être pour d'autres vidéos. Le ciel me guide. Allez.